Bonjour Sylvie. Bonjour. Deuxième journée de Masters. Exactement. Tu vas prendre le départ dans quelques instants. Tout à fait. Comment te sens-tu? Bien reposée Oui, physiquement, je me sens très bien. Donc hier, j'ai fait le parcours en chariot manuel et en le poussant, hein, malgré mon âge avancé, parce que je suis senior. Aujourd'hui, tu as expérimenté, c'est ça que tu veux dire? Oui, voilà, okay. Expérimenté, on va dire ça. J'ai de l'expérience. Voilà. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une amie qui vient me caddier, Véronique Van Hovel. Donc physiquement, ça sera toujours plus facile, et puis au niveau de la gestion du sac, ça aide aussi, et puis des conseils évidemment, parce que c'est une joueuse de haut niveau, donc ça c'est toujours sympa. Je suis très détendue, moi je viens ici tout à fait à l'aise, c'est pour moi une mise en situation avant les championnats d'Europe seniors par équipe, qui ont lieu très bientôt, je pars le 3 septembre, donc c'est deux tours de stroke play qui me mettent en situation pour cette compétition-là, donc j'y vais vraiment tout à fait à l'aise, très détendue. J'ai une partie géniale, Margot Van Mol, je la connais bien, elle est à Rijnné. Laura, Christian, j'ai joué avec elle hier, c'était une bonne ambiance, très sportif, donc nous on part vraiment à l'aise, et puis c'est la meilleure qui gagnera, et on va essayer de produire du beau jeu pour faire plaisir en tout cas à ceux qui portent le leaderboard et nos accompagnants. Voilà. Parfait, donc, et puis comme disait Laura tout à l'heure, l'objectif principal de la journée, c'est que le temps se maintienne, qu'on ait du soleil et qu'on, voilà, qu'on cas, évite présent, quelques gouttes. En tout cas, présent, il est avec nous, donc voilà. Pour en profiter un max. Et puis je vais aussi rajouter quand même que c'est toujours un plaisir de venir ici, parce que moi je suis attachée à la famille Jotran, les deux frères Jotran, Eric et Jean, me connaissent depuis que j'ai 11 ans, parce qu'on s'est connus à Rijnné à l'ouverture. D'accord. Moi j'ai commencé à Rijnné quand j'avais 11 ans, ils étaient là au début et puis ils sont lancés dans cette extraordinaire aventure. Donc on voit le résultat maintenant, c'est vraiment super, et puis l'organisation est vraiment géniale, on se sent vraiment cocooné, c'est une atmosphère très sympathique. Ben merci pour tous ceux qui effectivement dans l'ombre participent à l'organisation de cet événement, donc je te remercie d'avoir eu ces quelques mots pour eux. Je vais te laisser prendre ce départ. Merci et beaucoup. On se retrouvera à l'arrivée au 18 qui sera suivi évidemment du fameux 19 qui est incontournable, hein, que tout le monde apprécie aussi. En tout cas, très bonne partie. Merci, bonne journée. Résultat.